Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations pour son cinquième passage. Ici sur les antennes de la radio Zénith FM de Makori. Que toute la gloire revienne au Père Céleste, la puissance du Saint-Esprit et au nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu bénisse le directeur de la radio et mon bien-aimé coach physique Soumaïla Kwako. Et mon neveu Choco qui est là. Je crois que Jésus est vivant. Il est puissant. Il est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Et toutes les créatures se prosternent à ses pieds et lui rendent hommage. Il est fidèle. Attention, attention. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Les lions de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, ce message prophétique est le vôtre. Il est là, puis je refuse ma situation. Pauvreté, sang, poisse, sang, sida, santé, blocage, santé, santé. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu vas pas mourir comme ça. Écoutez désormais le prophète Biz tous les mercredis à partir de 1h30 sur Zénith FM 92.8. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lions de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis longtemps les gens de ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message est pour thème, ton rêve se réalisera selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation. Si je refuse ma situation. Pauvreté. Sang. Poisse. Sang. Sida. Santé. Célibat. Sang. Blocage. Santé. Santé. CD actuellement en vente à votre radio, les radios Fréquences Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et barques à cassettes chrétiennes, à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32. Plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, pour le compte de la gloire de Dieu. Nous sommes ici tous les mercredis à partir de 12h30 pour l'heure de l'amour, l'heure de la vérité, l'heure de la puissance de Dieu à sonner. Je veux bénir le nom du Seigneur pour le directeur de la radio, Zenith FM de Makori, sans oublier mon coach physique, mon bien-aimé Soumaïla Kwaku qui est là, et ceux qui sont aussi dans le studio avec nous. Je veux bénir Dieu pour votre vie, réveille quelqu'un, dis-lui que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Avant de prêcher, je voudrais parler à tous ceux qui souffrent de la sorcellerie. Rien n'avance, rien ne bouge. Vous tournez en rond, nous allons prier pour vous ce soir. Nous allons prier aussi pour les célibataires. Il n'y a pas cococo, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage à la mairie, c'est le statu quo. Nous allons prier aussi pour ceux qui souffrent de stérilité. Il n'y a pas d'enfants. Et il y a certains même qui ont des enfants et des enfants ne viennent plus. C'est-à-dire qu'il y a comme un blocage. Après l'accouchement, il n'y a plus de grossesse. Nous allons prier aussi pour ceux qui traversent des problèmes de foyer. Le foyer est au bord du gouffre. Monsieur, madame, ça ne va plus. Il y a le divorce dans l'air. Personne n'arrive à comprendre l'autre. Nous allons prier aussi pour ceux qui traversent un moment difficile, problème de loyer. Vous vous aimez, mais il y a problème pour payer la maison à la fin du mois. Nous allons prier aussi pour ceux qui ont des problèmes de scolarité. Vous savez, nous sommes en pleine rentrée scolaire et il y a certains qui n'ont pas encore inscrit leur enfant, faute de moyens. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour ceux qui traversent aussi des moments difficiles. La pauvreté frappe à leur porte. Échec, pauvreté, blocage, chômage, avec tous les diplômes, pas d'embauche, et tu tournes en rond. Voilà, nous allons prier aussi pour ceux qui sont frappés de maladies et d'envoûtements mystiques, tout ce que les envoûtements de maladies, de sorcellerie fatiguent. J'appelle maladies d'envoûtements mystiques les maladies dont les docteurs même n'en reviennent pas. Ils ne savent plus que dire ni que faire. Nous allons prier. Vous souffrez, mais vous ne savez pas d'où vient le mal. Nous allons prier pour vous. C'est pourquoi tu vas réveiller quelqu'un qui dort. Tu vas réveiller quelqu'un pour lui dire qu'on va prier pour vous. Aujourd'hui, vous savez que la parole de Dieu est la vérité. Dans le psaume 107, le verset 20, la Bible dit « Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit ». Nous allons parler aujourd'hui de 5 démons qui fatiguent les hommes. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort, l'esprit de colère, la sirène des eaux et le mari de nuit. Et chaque mercredi, nous allons prendre un démon. Si vous comprenez, nous allons parler aujourd'hui de l'esprit de la sorcellerie. Vous allez comprendre beaucoup de choses. S'il y a quelqu'un qui pleure, il y a quelqu'un qui souffre, qui ne comprend pas sa vie, il y a quelqu'un qui tourne en rond, cette émission est pour lui. Donc, réveille quelqu'un en une minute. Nous allons donner les différents contacts sur lesquels vous pourrez appeler pour que nous puissions prier pour vous. Et tous ceux aussi qui ont des sujets de prière, vous pouvez amener vos sujets de prière au 08 01 65 07. Je répète, tu tournes en rond. Problème de foyer, problème de santé, stérilité, problème de célibat, un chômage, blocage. Tu traverses des moments difficiles. Envoie tes sujets de prière maintenant au plus 225 08 01 65 07. Je répète, 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Nous allons prier pour tous ceux qui ne dorment pas, tous ceux qui sont éveillés, tous ceux qui vont amener leur sujet de prière. Nous allons prier pour vous. Je répète encore, vous pouvez amener vos sujets de prière maintenant même au 08 01 65 07. Je répète, 08 01 65 07 ou le 05 64 78 32. Nous allons prier sincèrement pour vous et Dieu va débloquer la situation. En une minute, nous allons partir avec ce chant qui dit « Jésus est plus fort que les sorciers » et nous allons revenir pour le message et ouvrir l'antenne pour que vous puissiez appeler. Soyez bénis et gloire à Jésus par l'Esprit Saint. Amen.
Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Pousse des cris de joie chez toi, pousse des cris de joie là où tu es. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, tu vas sortir des canaries, tu vas sortir des calebasses, tu vas sortir des malédictions ancestrales, parce que Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Envoyez déjà tous vos problèmes, vos sujets de prière au 08 05 64 08 01 65 07. Je répète, vous pouvez déjà amener tous vos sujets de prière. Nous allons prier pour les 100 premières personnes qui vont amener leurs sujets de prière au 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. 05 64 78 32. Avant de prêcher, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Le vendredi qui vient, c'est la fête de tous les saints. Le vendredi est férié. Ce vendredi 1er novembre 2019, nous avons une très grande veillée de prière. Je dis bien, ce vendredi 1er novembre qui vient dans un jour après cette émission, ce vendredi 1er novembre, nous avons une très grande veillée de prière au petit marché de Macquarie sur le terrain Vatican, près du 9e arrondissement de police. Vous demandez le commissariat, le 9e arrondissement. Arrivez là-bas, demandez le petit marché de Macquarie. Je n'ai pas dit le grand marché, je dis bien le petit marché de Macquarie. Nous avons une grande veillée de prière ce vendredi 1er novembre 2019 de 21h à l'aube. Le thème de la veillée, c'est Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Si tu es fatigué par l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de mort, l'esprit de blocage, l'esprit de chômage, de stérilité, si tu es fatigué par la maladie, si tu es fatigué par un problème quelconque, retrouve-nous ce vendredi. Je dis bien ce vendredi 1er novembre 2019 de 21h à l'aube sur le terrain Vatican du petit marché de Macquarie. Nous avons une grande veillée de prière et nous allons prier pour tous ceux qui vont se rendre. C'est la nuit de la guerre. Nous allons combattre contre la puissance des ténèbres. Je vais vous inviter à prendre la parole de Dieu dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 23 à partir du verset 23. Nombre 23 à partir du verset 23. La Bible dit en Nombre 23 verset 23, la sorcellerie et ses pratiques ne peuvent rien contre Israël. La sorcellerie et ses pratiques ne peuvent rien contre Israël. La sorcellerie et ses pratiques ne peuvent rien contre Israël. Vous savez, le royaume des cieux est organisé et le royaume des ténèbres est organisé. Satan a une armée qui combat ta vie. Satan a une armée qui combat ton foyer. Satan a une armée qui combat ta famille. Satan a une armée qui combat ton église, ton ministère. Satan a une armée qui combat tes finances. Satan a une armée qui combat ton pays. Satan a une armée qui combat ta destinée. Et cette armée est composée de 5 démons principaux. Le premier démon, c'est l'esprit de sorcellerie. Nous allons parler de lui aujourd'hui. Le deuxième démon, c'est l'esprit de mort. Nous allons parler de lui la semaine prochaine. Le troisième démon, c'est l'esprit de colère, le démon guerrier. Le quatrième démon, c'est l'esprit de l'eau, qu'on appelle Mami Wata, la sirène des eaux. Le cinquième démon, c'est l'esprit de nuit, qu'on appelle le mari ou la femme de nuit. Et ces démons-là sont là pour vous nuire. Les démons-là sont là pour vous maltraiter. Les démons-là sont là pour détruire votre vie. Mais Dieu merci, il a envoyé sa parole dans la personne de Jésus-Christ pour vous délivrer. C'est pourquoi envoyez déjà même tous vos sujets de prière au 08 01 65 07. Je répète, tous vos sujets de prière au 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Nous allons parler aujourd'hui de la sorcellerie.
Comment reconnaître? Non, attendez, attendez d'abord. Je dis, envoyez d'abord vos sujets de prière au 0801. N'appelez pas, mais envoyez d'abord tous vos sujets de prière au 0801-6507 ou au 05-64-78-32. Envoyez vos sujets et à la fin de l'émission, on va ouvrir le téléphone. Vous allez appeler et nous allons libérer l'onction sur vous. Et Jésus va vous guérir. Jésus va vous délivrer. Jésus va vous bénir. Et Jésus va vous sauver. Les 100 premières personnes qui vont amener leur sujet de prière sont exaucées d'office. Voilà. Écoutez, il y a un esprit qui s'appelle l'esprit de sorcellerie. Cet esprit, quand il est dans ta vie, tu tournes en rond. Quand il est dans ta vie, tu ne vois pas le bout. Quand il est dans ta vie est échec, ta vie est misère, ta vie est malheur, ta vie est poisse, ta vie est désespoir. Ce premier démon fatigue beaucoup de personnes, même les chrétiens. Ce démon-là les fatigue. S'il fatigue les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, alors ce démon-là est là pour le blocage. Ce démon-là est là pour le ralentissement de ta bénédiction. Il est là pour détruire ta vie. En Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a révélé l'œuvre de l'esprit de sorcellerie. S'il vous plaît, n'appelez pas, laissez-moi prêcher d'abord. Et après, vous allez appeler. Ce démon-là est là pour détruire, est là pour égorger, est là pour voler. Jésus dit, Satan ne vient que pour détruire, pour voler et pour égorger. Quand l'esprit de sorcellerie te suit, ta vie est détruite. Quand l'esprit de sorcellerie te suit, ta vie est détruite, tout est mélangé. Quand il est là, c'est la mort. Il est là pour te détruire. Il est là pour te tuer. Quand un sorcier vient, la première des choses qui l'anime, c'est de te tuer. Quand il te rate, c'est de te rendre malade ou de gâter ou de voler tes bénédictions. L'esprit de sorcellerie, quand il est là, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait? Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort? Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de lumière. Tout est désespoir, tout est bloqué, tout est paralysé dans ta vie. C'est l'esprit de sorcellerie. Quand l'esprit de sorcellerie est dans ta vie, tu fais des rêves où tu n'aboutis pas. Même dans tes rêves, tu ne termines pas ce que tu as commencé. Il y a certains qui veulent courir dans leurs rêves, mais ils sont lourds. Ils courent en ralenti. On peut venir les attraper. Il y a certains dans leurs rêves qui s'envolent. Il y a certains qui mangent dans leurs rêves. La nuit, ils mangent avec des personnages inconnus. Il y a des gens dans leurs rêves, les animaux les poursuivent. Il y a certains, c'est lion. Il y a certains, c'est serpent. Il y a certains même qui sont mordus par des animaux en rêve. Oh, si tu te retrouves dedans, envoie ton sujet de prière au 08-01-65-07 ou au 05-64-78-32. Si tu te retrouves dedans, tu fais des rêves, des gens te poursuivent. Tu fais des rêves, des gens en train te poursuivent. Tu fais des rêves, des gens nus te poursuivent. Tu fais des rêves où toi-même tu te retrouves nu. Dans tous tes rêves, tu te retrouves au village. Dans tous tes rêves, tu te retrouves dans la boue. Dans tous tes rêves, tu te retrouves dans une case. Tu te retrouves emprisonné. L'esprit de sorcellerie est là. Il est là pour la pauvreté. Il est là pour le blocage. Il est là pour l'échec. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. C'est ce démon-là qui est derrière toi. Il est derrière toi pour te détruire. Il est derrière toi pour te nuire. Il est derrière toi pour te donner la malchance. L'esprit de sorcellerie est là pour que tu sois malheureux, pour que tu sois misérable. C'est l'un des principaux démons du diable qui fatigue les Africains. L'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit de destruction. Tous ceux qui pleurent, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait, vous ne comprenez pas. Dans le foyer, ça ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. Dans les activités, ça ne marche pas. Même dans la communion avec Dieu, ça ne marche pas. Même dans les prières, ça ne marche pas. On te promet et après on dit c'est pas la peine. On te prend et après on te laisse. Pour un rien comme ça, on t'abandonne. Pour un rien comme ça, on t'accuse. Il y a l'esprit de sorcellerie qui est derrière toi. Quand l'esprit de sorcellerie est derrière toi, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas avancer. Tu es bloqué comme l'anneau attaché à l'arbre. Tu es bloqué comme Lazare derrière la grotte dans le tombeau. Rien ne marche, rien n'avance.
Tu te demandes si le ciel n'est pas fermé sur ta tête. C'est cet esprit qui est là. Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle. S'il y a quelqu'un pour te basser en sorcellerie, s'il y a quelqu'un pour te maudire en sorcellerie, il y a quelqu'un aussi pour te délivrer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un pour te guérir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un pour débloquer ta situation. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je pensais que tu allais dire amen bien et les chaînes allaient se briser. Il y a quelqu'un aussi pour te sauver. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a envoyé ses serviteurs qu'on appelle les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les enseignants pour te délivrer. Tu es tellement découragé par l'esprit de sorcellerie que tu ne vas plus à l'église. Tu es tellement découragé par l'esprit de sorcellerie que tu ne crois même plus même à la vie. Tu ne crois même plus aux prophéties. Tu ne crois même plus en ta destinée. Mais laisse-moi te dire, s'il y a quelqu'un pour t'envoûter, il y a quelqu'un pour te délivrer. S'il y a quelqu'un pour maudire ta vie, il y a quelqu'un pour bénir ta vie. S'il y a quelqu'un pour te mettre en prison, il y a quelqu'un aussi pour te délivrer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, tous ceux qui sont suivis par l'esprit de sorcellerie, ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Parce que c'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit d'échec. C'est un esprit de poisse. Même si on avait besoin de quelqu'un, tu arrives, on n'a plus besoin de quelqu'un. Même si une fille voulait se marier, tu arrives, elle n'a plus envie de se marier. Même si on devait donner l'argent à quelqu'un, tu arrives, on n'a plus envie de donner de l'argent à quelqu'un. Quand cet esprit est là, tu échoues. Tu échoues à l'école. Quand cet esprit est là, tu échoues dans la vie professionnelle. Tu échoues dans ta destinée prophétique. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Tu n'atteins pas le but. Cet esprit-là est là pour te rendre malheureux. Tu rentres dans le foyer. Pour un rien comme ça, on te met dehors. Tu es avec quelqu'un. Pour un rien comme ça, ça se gâte. Tu ne peux pas durer avec quelqu'un. Ta vie sentimentale est mélangée. À chaque fois, c'est toi qu'on accuse. C'est l'esprit de sorcellerie qui est derrière toi. C'est l'un des principaux démons du diable. Cet esprit est en train de faire du mal à beaucoup de personnes. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Si tu te retrouves dans ce que j'ai dit, envoie ton sujet de prière au plus 225 08 01 65 07. Nous allons prier pour tous ceux qui envoient d'abord leur sujet de prière. 08 01 65 07. Je répète pour une dernière fois. 08 01 65 07 ou le 05 64 78 32 05 64 78 32. Amenez tous vos sujets de prière à ces deux numéros et je me ferai fort bien de prier pour vous par la puissance du Saint-Esprit au nom tout-puissant de Jésus. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me montre plusieurs personnes qui sont fatigués de déposer des dossiers, qui ont déposé des dossiers un peu partout. On ne vous appelle pas. Votre téléphone ne sonne même pas. Certains même ont perdu leur téléphone parce qu'on devait les appeler. Les sorciers ont volé leur téléphone. Là où tu es à la maison familiale. Tu ne peux pas sortir. Quand tu sors, tu reviens à la maison familiale. Les sorciers ont mis une corde à ton cou. Les sorciers ont attaché tes mains. Les sorciers ont lié tes pieds. Tu es comme l'anneau attaché à l'arbre. Tu ne peux pas aller au loin. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas travailler. Et depuis que tu travailles, il n'y a pas de promotion. Depuis que tu travailles, il n'y a pas de promotion. Tu travailles en rond. Il y a l'impression que tu travailles pour les autres. Tu ne peux pas économiser. Quand la sorcellerie est derrière toi, le Seigneur me dit de vous dire, quand la sorcellerie est derrière toi, toutes tes économies, c'est comme si la bourse est percée. Ton argent ne fait que descendre. Même l'argent que tu as mis en banque, ça ne fait que finir. Il y a toujours des problèmes. Problème pour mettre les enfants à l'école. Et il y a toujours un problème de santé qui va faire que tu es obligé de soigner. Et l'argent en train de finir, tu ne fais que décaisser, tu ne fais que retirer. Le petit argent que tu as gardé pour ton projet, un malheur vient de frapper ta famille. Tu es obligé de participer au funérailles. C'est l'esprit de sorcellerie. Il est derrière toi. Problème sur problème, dette sur dette, facture sur facture. Si tu te retrouves là-dedans, aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Si tu te retrouves dedans, aujourd'hui est le jour de ta guérison. Jésus dit, ne dors pas. Réveille tous ceux qui traversent un moment difficile. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts.
C'est l'esprit de la sorcellerie qui est derrière toi. Quand la sorcellerie est derrière toi, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ton hymne national. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort? Oh Dieu, c'est mieux de m'enlever. Pourquoi je suis né? Ça, c'est le cri de quelqu'un qui est victime de l'esprit de sorcellerie. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'allégresse, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de paix du cœur. Si tu te retrouves dedans, envoie tes SMS au 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. La Bible dit Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi, en parenthèse, nous organisons ce vendredi, je dis bien ce vendredi 1er novembre 2019, sur le terrain Vatican du petit marché de Macori. Oh, je vais t'inviter, toi qui es fatigué, lié par la cigarette, lié par la masturbation, lié par l'alcool, lié par la drogue, lié par le péché sexuel, l'abomination sexuelle, la perversion, même les rapports sexuels et les animaux. Toi qui souffres, c'est pour toi cette veillée. Toi qui ne comprends pas ta vie, le mariage, la fécondité, la santé, tout est mélangé. Ta vie sentimentale est bloquée. C'est pour toi que nous organisons cette veillée ce vendredi 1er novembre 2019 de 21h à l'aube. Nous allons recouvrir le terrain de bâche. N'aie pas peur de ce temps pluvieux. La pluie ne peut pas t'empêcher de venir recevoir ton miracle. Ce vendredi 1er novembre 2019, de 21h à l'aube, sur le terrain Vatican du petit marché de Macori, je vous attends avec le Saint-Esprit. Je vous attends avec Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, pour enlever les bandes sur votre corps, pour enlever la corde à votre cou. N'oubliez pas ce vendredi 1er novembre. 2019, on dit c'est la fête de la mort, mais cette mort va se transformer en vie. Dis amen bien. Cette mort de Toussaint va se transformer en fête de la vie. Jésus va changer ton identité. Jésus va changer ta vie. Jésus va changer ton désespoir en espoir. Jésus va changer ta misère, ta galère en bonheur. Il dit je suis venu pour que mes enfants aient la vie et soient dans l'abondance. Vous devez refuser ce premier démon. C'est l'esprit de sorcellerie. C'est lui qui ouvre la porte à la mort. Quand l'esprit de sorcellerie est derrière toi, tous tes rêves que tu fais, c'est pas de bons rêves. Des rêves où on te poursuit, des rêves où tu manges avec des gens inconnus, des rêves où on veut t'attraper, des rêves où on veut te tuer. Tu fais des rêves où tout le monde travaille. Toi, tu n'as pas encore fini. Tu fais des rêves où tu ne termines pas ce que tu commences. Quand tu es en robe de mariage, il n'y a pas chaussure. Quand tu as ta chaussure, la bague manque. En tout cas, dans le rêve, il y a toujours quelque chose qui te manque. Tu as toujours quelque chose qui n'est pas ça. Il y a quelque chose que tu as perdu, que tu cherches dans ton rêve. C'est un signe que l'esprit de sorcellerie est derrière toi. Tu ramasses l'argent en rêve, mais dans la réalité, tu n'as rien. Dans la réalité, tu n'es rien. Dans la réalité, tu peux rien. Dans la réalité, tu sais rien. Mais dans ton rêve, tu es riche. Dans ton rêve, tu as l'argent. Dans ton rêve, tu ramasses. Ce sont tes vraies richesses que Dieu te montre, mais que les sorciers ont bloquées. En ma qualité d'apôtre, j'ouvre le ciel au-dessus de ta vie et je proclame que ta bénédiction, ta richesse te soit rendue par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dis amen bien. Les 100 premières personnes qui vont amener leur SMS, les 100 premières personnes qui vont amener leur SMS, nous allons prier pour vous. Nous allons prier et nous allons briser les malédictions. Oh, avant ce vendredi, nous allons déjà prier pour vous. Et après mon message, le téléphone sera ouvert et vous pourrez appeler au 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. On dit l'année 2000 était ton année. 2000 est passé, tu n'as rien vu. On dit 2001 est ton année. 2001 est passé, tu n'as rien vu. Et chaque année qui passe, on dit c'est ton année. Mais tu ne vois rien. C'est la même chose. Tu es toujours célibataire. Il n'y a pas la paix dans ton foyer. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas travail. Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas santé. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Tout est bloqué. Tout est paralysé. Tout est mélangé. Alors qu'en chaque année, on prophétise. Chaque année, on prophétise. N'appelez pas. Laissez-moi terminer d'abord. Et vous pourrez appeler
envoyez pour le moment vos sujets de prière. On dit année de bénédiction, c'est maintenant la malédiction arrive. On dit année de mariage, c'est maintenant même on te laisse seul dans le foyer. On dit année de gloire, c'est maintenant même tu vois la misère. On dit année de travail, c'est maintenant même qu'on te chasse. On dit année de gloire, tu as l'impression que c'est le contraire. C'est le signe que l'esprit de sorcellerie est caché derrière toi. Quand l'esprit de sorcellerie est là, c'est le contraire qui arrive dans ta vie. Parce que c'est un esprit de pauvreté, c'est un esprit de misère, c'est un esprit de galère, c'est un esprit de poisse. Tous ceux qui traversent des moments difficiles, envoyez vos sujets de prière au plus 225 08 01 65 07. S'il y a un démon pour vous lier, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus pour vous délivrer. S'il y a des personnes qu'on appelle sorciers pour vous détruire, il y a des hommes qu'on appelle hommes de Dieu pour vous construire. La puissance de Dieu est là. Trop, c'est trop. Le Seigneur n'a même pas besoin d'attendre la fin du mois, la fin de la semaine. Aujourd'hui même, il peut te délivrer. Il a ressuscité Lazare en un jour. Il a délié l'anneau attaché en un jour. Il a délivré Israël en un jour. On n'a pas besoin d'attendre une nouvelle année. Je veux proclamer, si les 147 personnes qui vont mettre la main sur la tête et vont dire amen fort, je reçois, je veux proclamer votre délivrance, je veux proclamer votre guérison, je veux proclamer votre délivrance, votre guérison, votre déblocage, votre bénédiction et votre salut. Dis amen bien, ouais. Par la puissance du Saint-Esprit, que les chaînes de malédiction de ta famille tombent. Dis amen bien, ouais. Au nom de Jésus, amen. Je brise la poisse, je brise la malédiction, je brise tout ce qui est chaîne à tes bras, à ton cou, à tes pieds, à tes reins, à ton doigt, où on doit mettre la bague de mariage. J'enlève ces malédictions, j'enlève le manteau, j'enlève la poisse. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire amen fort? Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire amen fort? Amen. Ton voisin n'entend pas. Il a dit crie amen fort. Amen. Pendant que tu cries, je vois qu'on est en train d'enlever des habits déchirés sur toi. Pendant que tu dis Jésus fort, on est en train de te faire porter de nouvelles sandales. Amen. Tu vas aller là où les sorciers ne veulent pas que tu ailles. Amen. On est en train de mettre un anneau à ton doigt. Pendant que je parle, on te donne un chèque. Pendant que je te parle, on est en train de t'appeler. On Amen. Va t'appeler. Amen. On va t'appeler pour un travail. Amen. Je reçois dans mon esprit qu'il y a 50 personnes qu'on va appeler pour un nouveau travail. Amen. Ça va te surprendre d'ici la semaine prochaine. Dis amen bien. Amen. Dieu t'a pas créé pour souffrir. Le diable est un menteur. Le premier démon que je vais développer aujourd'hui, c'est l'esprit de sorcellerie. Ils sont cinq. Ils sont cinq. Ils fatiguent les chrétiens. Ils fatiguent les païens. Ils fatiguent tous les auditeurs. Ils fatiguent tous ceux qui m'entendent et tous ceux qui m'entendront plus tard. Il y a cinq démons. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort, l'esprit de colère, l'esprit de l'eau. Et puis l'esprit de Marie de nuit. Nous sommes aujourd'hui sur le premier démon. La semaine prochaine, on va parler du deuxième démon, l'esprit de mort. Et ainsi de suite. Écoutez, je vais bientôt m'arrêter pour que vous puissiez appeler. Dieu t'a créé pour la gloire. Et si l'Afrique est en retard, c'est à cause de cet esprit. L'esprit de sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie commence par trois lettres. S-O-R. La sorcellerie commence par trois lettres. S-O-R. Le Saint-Esprit m'a dit, mon enfant, sois sage. S-O-R signifie quoi? Il dit sort. Il dit, c'est dérivé du sortilège. La malédiction. Le sorcier, c'est celui qui jette le mauvais sort. Ça commence par S-O-R. Elle jette le mauvais sort. Elle veut se marier. Pourquoi? On les bloque. Les jeunes du quartier vont réussir dans le ballon. Pourquoi? On les gâte. Celui-là va voyager. Pourquoi? On le met dans Canary. Le sorcier ne peut pas faire du bien. Parce que les trois premières lettres de son nom, c'est le sort. S-O-R. Sort. Et jette le mauvais sort. En Afrique, ici, on dit il a bassé. Il a maudit. En bon français, on dit il a envoûté. Le travail, c'est de jeter le sortilège. Mettre les gens dans des canaries. Mettre des gens dans des engrenages. Où ils ne pourront pas s'en sortir. Le sorcier est là pour lancer le mauvais sort. C'est pourquoi en Exode 22, le verset 16 à 17, Dieu disait, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. En réalité, Dieu ne dit pas de la tuer physiquement, mais Dieu vous l'a dit, il faut combattre. Éphésiens chapitre 6, le verset 12.
nous devons combattre contre les autorités, les principautés, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, les esprits méchants dans les lieux célestes. La sorcellerie en anglais, c'est witches, c'est-à-dire la méchanceté. Un sorcier ne peut pas être gentil. Un sorcier gentil, ça n'existe pas. De la même manière, les chrétiens disent « Alléluia ». Ma tante sorcière est morte, mon homme sorcier est mort, et puis on crie victoire, gloire à Jésus. C'est comme ça qu'un sorcier te gâte, et aussi il crie gloire à Satan. Qu'un sorcier gâte ton foyer, et aussi il crie là-bas gloire à Satan. Qu'un sorcier tue un cadre de la famille. Qu'un sorcier tue quelqu'un, et aussi il crie gloire à Satan. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. C'est pourquoi ce vendredi premier, ce vendredi 1er novembre, qu'il y a la pluie, qu'il n'y a pas la pluie. Je vous attends au terrain Vatican du petit marché de Macori. Petit marché de Macori. Je vous attends. On va recouvrir le terrain de Bâche. Même s'il pleut, on sera protégé. Trop, c'est trop. Ta situation doit changer. Trop, c'est trop. Ta maladie doit guérir. Trop, c'est trop. Ton célibat doit se transformer en mariage. Trop, c'est trop. Ta stérilité doit se transformer en fécondité. Trop, c'est trop. Ta diplôme doit se transformer en travail. Trop, c'est trop. L'année que tu as fait dans ce coin, on doit te donner la promotion. Trop, c'est trop. Le démon de famille doit te quitter. Trop, c'est trop. La paix doit revenir dans ton foyer. Trop, c'est trop. Et ce vendredi 1er novembre 2019, de 21h à l'aube, il y a une veillée où tu as rencontré le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, Sa Majesté, Jésus-Christ de Nazareth, il revient pour te délivrer, il revient pour te guérir, il revient pour te bénir, il revient pour te sauver. Dans 5 minutes, je vais m'arrêter de prêcher. Écoutez, la sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. Vous vous retrouvez toujours en prison, vous vous retrouvez toujours au village. Tu as quitté la maison familiale, mais dans tes rêves, tu es toujours à la maison familiale. Tu causes et à tes parents alors que tu les as quittés depuis longtemps. Dans tous tes rêves, tu te retrouves dans la forêt, tu te retrouves dans l'eau, tu te retrouves au cimetière. Dans tous tes rêves, tu te retrouves au point de départ. C'est toujours dans le village que tu te retrouves. Des hommes bizarres te poursuivent. Des gens étranges sont derrière toi. Ton âme est en danger. Partout où tu vas, on te poursuit. Si ce n'est pas Benoît, c'est serpent qui te poursuit. Il y a des gens même, on les mord en rêve. Les animaux bizarres les mordent et puis ils tombent malades. C'est la sorcellerie. Je vais vous donner 3 témoignages. Et après les 3 témoignages, on va prier. Je vais vous donner 3 témoignages. Et après les 3 témoignages, on va prier. Le premier témoignage que je vais vous donner, c'est le témoignage de ma vie. Je me nomme à l'état civil Boris Yvon Serge, abrégé BYS. On m'appelle prophète Biz ou apôtre Biz. Je me nomme à l'état civil Boris Yvon Serge. Et ce que je voulais vous dire, pour toucher 100 francs, c'était dur. Pour toucher 1000 francs, c'était dur. Quand j'étais païen, j'étais obligé de voler les talons de mes soeurs, voler l'argent de mes soeurs. Ça, c'était quand j'étais païen. Même quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était encore difficile. L'argent tombait difficilement dans ma main. Mais un jour, je me suis levé. J'ai commencé à prier. Esprit de malédiction, esprit de poisse. Je vous rappelle que je faisais aussi comme vous. Les rêves où je ramassais l'argent. Je ramassais l'argent dans les rêves, j'étais content. Mais quand je me réveillais, il n'y avait rien. Le jour où je me suis levé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, j'ai commencé à combattre l'esprit de pauvreté, l'esprit de sorcellerie. Et j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, Dieu m'a montré beaucoup de pièces effacées. Les pièces que tout le monde refuse. Les 100 francs lisses, les 50 francs, les 25, les 5 francs lisses, les pièces noires. Ces pièces-là étaient arrêtées dans le ciel. C'est-à-dire devant moi dans l'air. Je regardais ces pièces et ces pièces me quittaient. Ça partait. Il n'y avait rien qui les avait attrapées, mais les pièces partaient. Et dès qu'il a fini de faire ce rêve, il a dit au Seigneur, c'est quoi? Il dit, les jetons représentent la malédiction. 100 francs noirs, 50 francs effacés, 6 francs noirs, 25 lisses. Les pièces qui brillent, c'est la malédiction. Mais comme tu t'es levé en mon nom, au nom de Jésus, tu as commencé à briser. L'esprit de pauvreté te quitte. Après cette prière, j'ai touché 300 000. Et jusqu'à aujourd'hui, ma maison peut-être n'est pas chère. Mais ça fait 7 ans que j'habite au Remblai-Macori. 150 000 par mois, je paye. Ce n'est pas l'église qui paye. C'est par la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment je fais, je paye. Et le Seigneur m'a permis de prendre la caution de cette maison à 1 million
250 000, 300 000. Je vous rends ce témoin pour vous dire que ce n'est pas de ta faute. C'est un esprit de pauvreté qui s'est attaché à toi. Quand l'argent arrive, problème arrive pour que ça parte. Envoie tes SMS au 08 01 65 07. Tu as l'impression que ta main est percée. Tu as l'impression que rien ne bouge, rien n'avance. Amène tes sujets de prière au 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Et depuis que la poisse m'a quitté, je regarde les pièces, elles sont arrêtées devant moi. Il n'y a pas quelqu'un qui attrapait. Ça suspendu dans les pieds, ça me fuyait. Ça partait comme ça. Depuis ce jour, je ne manque pas d'argent. Jusqu'à aujourd'hui, l'éternel que je sais depuis 24 ans, 1995, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il m'est témoin. Après ce rêve, la première somme qui a touché était 300 000. Il y a une fille, deuxième témoignage, avant d'ouvrir le micro. Il y a une fille, je ne dis pas son nom, parce que je suis en direct actuellement sur Internet. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux peuvent me voir. Ils tapent prophète Bise, ils vont me voir en direct. Donc, elle a quitté en France. Elle est venue avec deux voitures. Les deux voitures sont venues par conteneur au port. Et elle est venue, elle a pris 6 millions, elle est venue en Côte d'Ivoire. Elle est assise, elle n'a plus rien. L'argent est fini. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Elle a ramassé tout le canapé en France. Elle a vidé son salon. Elle est venue s'asseoir en Côte d'Ivoire. Elle n'a plus rien. Et on m'a appelé pour aller prier pour elle. À Biétry, à côté du collège des Quatre. Quand je suis arrivé, son papa était riche au temps du fouet. Elle dit, pasteur, je me suis levé un matin. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai vidé mon canapé. Tout ce que tu vois ici, là, dans le salon, c'était dans ma maison en Europe. Écran, placement, fauteuil, tout. J'ai soulevé tout. Mes deux voitures sont venues par bateau. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai tout vidé. Je suis venu m'asseoir ici en Afrique. J'ai pris 6 millions. Je suis venu. Tout mon argent est fini. N'appelez pas, attendez d'abord. Tout mon argent est fini. Même actuellement, là, je suis allé au port pour aller retirer mes deux. J'étais allé au port pour aller retirer mes deux voitures. On ouvre le conteneur, les voitures ont disparu. Je ne suis pas allé me plaindre. J'ai dit, je laisse la malédiction sur eux. Mais pasteur, même actuellement où il parle, quand tu as reparti à la maison, je n'ai même pas 1000 francs pour payer ton transport. Qui a payé mon transport? C'est son cousin qui était assis à côté qui a payé mon transport. Il dit, viens, je vais te suivre. Vous avez besoin de Jésus. Oh, 2 Chroniques 20-20, on a vu ça la fois passée. Croyez en Jésus, vous serez fort, mais croyez en ses serviteurs, vous allez réussir. Yéri, viens, il faut me suivre, tu n'as pas de père spirituel, je vais t'apprendre à prier. Elle a commencé à prier, moi. Un bon jour, elle a commencé à savoir prier, elle a eu une vision. Dans la vision, elle a vu sa tante sur une rivière. Sa tante est au village, elle s'arrête sur l'eau, et puis elle dit son nom. Je prends un exemple, si elle s'appelle Viviane, sa tante dit Viviane, viens. Viviane, viens. Viviane vient. Elle dit, pasteur, ça veut dire quoi? Il dit, mais c'est tellement simple. Tu dis que tu t'es levé un bon matin en France, tu as tout ramassé, tu es venu à 6 millions, l'argent est perdu, les voitures ont disparu, tu n'as même pas 1000 francs pour me donner. Mais c'est ta tante qui t'a appelé. Oh, je n'ai pas dit que toutes les tantes sont sorcières, mais c'est ta tante-là qui t'a appelé en sorcellerie. Elle a commencé à couler les larmes. Elle dit, c'est maintenant que je comprends le rêve. Elle était arrêtée sur une rivière. Père disait mon nom. Et Père dit, viens, viens. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il dit, on va prier. Tu te rappelles de son nom? Elle dit, oui. Il dit, donne-moi son nom. On a commencé à prier. On a lié le nom de sa tante. Briser la malédiction qui était sur sa tante, qu'elle a lancée sur ma fille spirituelle. On a commencé à prier, vomir ses bénédictions. On a prié jusqu'à un bon jour. Elle m'a appelé à la maison, dans la chambre. Ça m'étonnait qu'elle me reçoive aujourd'hui dans la chambre. Elle m'a reçu à son neveu et puis certaines personnes. Elle dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Je viens de recevoir 6 millions. Celui qui dit amen, les 6 millions qu'elle avait perdus, elle a retrouvé. Dis amen bien. Amen. Tu as retrouvé ce que tu as perdu. Elle dit, pasteur, j'ai perdu 6 millions, mais je viens de retrouver 6 millions grâce à Jésus-Christ de Nazareth et la prière qu'on a faite. Pasteur, tiens, 300 000. Je viens de vous parler de 300 000 que j'ai touché. C'est elle qui venait de me donner. Elle dit, il ne faut pas te fâcher. Prends 300 000 parce que mon grand frère m'a dit de faire venir ma femme et mes enfants. Il y a beaucoup de personnes que je dois amener. J'ai mis les 300 000 sur moi. Et c'est comme ça. Elle a été délivrée par la prière d'un homme de Dieu sur sa vie. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin d'un pasteur pour vous délivrer. Et le dernier sujet de prière que je vais vous donner, en face de Lien Jess à Makori, il y a trois petites filles. Il y a trois petites filles. En 2007,
J'ai ouvert l'église en 2007. On priait dans le salon d'une maman. Avant, on priait dans le salon. Maintenant, on est dans un temple à Kumasi. On priait dans le salon d'une maman. C'est là-bas qu'il a commencé. En février 2007. Et les trois petites filles, là, elles ont enfants. Donc, ça m'étonnait. Comment de petites filles comme ça, on les enceinte. Et un jour, il a appelé l'une des trois. Il a dit, mais attends, venez. Il y a quoi? Et puis, vous faites des bébés comme ça, vous, des petites filles. Elles disent, papa, notre papa qui nous a mis au monde, il a cour commune. Les gens sont dans la cour commune, ils ne payent pas. Ils sont dedans, ils ne payent pas. Donc comme on ne paye pas là, on est obligé de se donner aux hommes pour pouvoir manger. Dans ça, on prend grossesse. Des petites filles comme ça, bébé au dos, un devant, un derrière. Ça m'a touché, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais il y a quoi? Elle dit, mais non, papa arrive. Il est fâché, mais quand il rentre dans la cour, il ne peut plus parler. C'est comme si on a fermé sa bouche. Et ça fait 5 ans, les locataires ne payent pas. Et nous aussi, on a faim. Et c'est comme ça, les gens qui veulent nous donner l'argent, ils sont obligés de coucher nous d'abord, avant de nous donner. C'est comme ça, on a ramassé des grossesses. Et un bon jour, il y a un monsieur qui est là-bas, il pratiquait la sorcellerie. Parce que le matin, quand tout le monde dort la nuit, le matin, devant sa porte, il a pratiqué la sorcellerie. Il y a du sang, il y a des plumes de poulet qui restent. Et chaque minuit, il se lave. On ne sait pas ce qu'il fait, mais le matin, il y a du sang. C'est lui qui avait fermé la bouche de leur papa. Leur papa arrive, il dit, oh Dieu, là, il m'a chassé. Quand il arrive, il rit à eux, il s'en va. Et les enfants souffrent, les enfants ramassent des grossesses. Et voilà qu'un jour, elles ont ramassé la carte d'identité du monsieur. On ne sait pas comment il a fait, il a oublié ça dans la cour. J'ai pris la carte d'identité du sorcier. J'ai déposé ça, c'était dimanche hein, à l'église. Il a déposé la carte d'identité du monsieur à terre. Il y avait trois pasteurs, le pasteur Samuel, et puis il y avait le pasteur César, Goa Hugues César. Il a dit devant tout le monde, on va maudire ce monsieur-là. La Bible dit la sorcellerie et ses pratiques ne peuvent rien contre Israël. On a jeté la carte d'identité du monsieur. Le pasteur et Samuel, il a marché 7 fois. Il a dit, c'est bon. Et César, toi, maudis-le. Marche 7 fois, c'est sa carte d'identité. César a marché 7 fois. Moi-même, le pasteur Biz, l'apôtre des nations, il a marché 7 fois. Il a dit, c'est fini. Votre maison est libérée. On est plus dangereux que les sorciers. À cause de Jésus et de la puissance qu'il nous a donnée, qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà comment Dieu les a délivrés. Un de leurs cousins est quitté à Port-Boué. Il est venu les saluer. Et puis là, il a dit, mais il y a quoi mes petites? Et puis vous faites enfant comme ça. Et elles ont dit à leur cousin, il est vagabond, c'est un brigand, il était saoulé. Il dit, à quoi pour faire des enfants? Il dit, non, c'est pas papa, ça fait 5 ans, aucun locataire ne paye. Donc pour manger, on est obligé de se donner aux gens. Le cousin là s'est levé, il a tapé chaque porte. Voilà comment Dieu va les délivrer. Il a chaque porte. Il dit, vous là, vous êtes dans la maison, vous ne payez pas, vous trouvez ça normal. Je vous donne 2 semaines, je reviens. Les locataires pensaient qu'ils s'amusaient. Oh, c'était le sorcier là. Qui se lavait la nuit dans la cour. On trouvait le sang chaque matin. C'est lui qui avait fermé la bouche de leur papa. Et comme on a maudit le monsieur en marchant sur sa carte d'identité, le Seigneur a amené un soula, un cousin brigand. Les 2 semaines sont arrivées. Les gens pensaient qu'ils s'amusaient. Les petites filles la disent, papa, il prend son pied, il casse pas des gens, il fait sortir les bouteilles de gaz, il fait tout. Il jette les affaires dehors. Il a cassé toutes les portes, il les a jetées dehors. Donc, par là d'arriver, ça arrivait à la police. Les policiers ont dit aux locataires, vous trouvez normal d'être dans une maison et puis vous ne payez pas. Nous-mêmes, on vous donne 3 mois pour libérer. Et c'est comme ça, on a chassé le sorcier, tous ceux qui étaient là-bas. Et les petites filles maintenant ont de l'argent pour manger parce que les nouveaux locataires ont payé caution. Et voilà comment Jésus a délivré cette famille. Celui qui dit Amen, Jésus va délivrer sa famille. Par la puissance. La sorcellerie n'a pas pitié. Envoyez maintenant vos SMS au plus 225-08-01-65-07. 08-01-65-07 ou au 05-64-78-32. Voilà, vous pourrez maintenant appeler. Le téléphone est ouvert. On va prier pour vous. Je répète, 05-64-78-32. 08-01-65-07. Que toute la gloire revienne au Père Céleste par la puissance du Saint-Esprit. Au nom tout puissant de Jésus pour ce témoignage, on dit Amen. 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 Vous pouvez appeler. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler maintenant. Je vais prier pour vous.
au nom tout puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, appelez au plus 225-08-01-6507. Oui, allô? Oui, je prie pour toi, que la main de Dieu soit sur toi. Le vendredi, veillez des prières au petit marché de Marcory. Je vous attends, vous tous, pour enlever les bandes et briser les malédictions. Vous pouvez maintenant appeler au 08 01 65 07 08 01 65 07. Appelez, on va prier pour vous en direct. Jésus est vivant. Oui, allô? Oui, soyez bénis. Votre nom et puis votre commune. Vous appelez de Yokougon Millionnaire. Quelle est votre préoccupation? Mighty. 9 mois, vous ne travaillez pas. Ça fait 9 mois. Mais c'est pas normal. Et vous voici un lit de sorcellerie. Ils vous ont, ça dit dans le monde spirituel, ils vous ont rendu malade même. Ils vous ont cloué. Vous ne pouvez même pas vous lever comme un malade qui est au chute. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je brise les chaînes à partir d'aujourd'hui. Monsieur, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, que le ciel qui était fermé sur ta tête s'ouvre par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Jésus, il faut dire 3 fois Amen. Dis 3 fois Amen fort. Le vendredi qui vient, la veillée à Marcory, c'est pour toi. Faut être là avec ta famille. Sois béni. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Appelez, nous allons prier pour vous. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, soyez bénis. Votre nom et puis votre commune. Oui, merci. Merci. Il y avait un message. Oui, mais ton nom et puis ta commune. Mon nom, Richard Vodoumé. Mon nom, c'est Divoli. Ok, soyez bénis. Quel est votre sujet de prière? Je suis malade, je ne comprends pas. Je vais vous seulement, je ne comprends pas. Ok, tu es allé à l'hôpital? Je suis allé à l'hôpital. Ils disent quoi? Ok, mets ta main sur ta poitrine. Voilà. Tu crois que Jésus est vivant? À partir d'aujourd'hui, tu reçois ta délivrance et tu vas manger piment. Piment qu'on t'a dit de ne pas manger là. Tu pourras manger. Au nom de Jésus, ulcère, sors de cet homme et ne reviens plus. Tu es guéri, dis avec bien. Amen. Ce vendredi, veillez de prière au Vatican, petit marché de Marcory. On vous attend. Soyez bénis. Le téléphone est ouvert au 08 01 65 07. Le téléphone est maintenant ouvert. 08 01 65 07. Oui, allô? Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre. Votre nom et puis votre commune. Soyez bénis. Quelle est votre préoccupation? C'est la sorcellerie. La veillée de ce vendredi est pour toi. Si tu as dormi, c'est pas bon. Si tu as raté la veillée, c'est pas bon. En ma qualité d'apôtre, ta main qu'on a mis dans Canary, et puis la boisson qu'on a collée à une poupée, et puis on dit la poupée là, c'est toi, et puis toi attaché à l'alcool. Tant que la poupée là attachée dans le monde là-bas, tu peux pas laisser. Tu veux tout faire pour laisser, mais tu peux pas. Tu t'assois toi seul. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bon, mais tu n'as plus de force pour laisser. C'est comme si ça te domine. Ce que je dis, c'est faux. À partir d'aujourd'hui, je veux te libérer. Je veux te détacher de cette malédiction des sorciers du village. Je brise les canaries et je te libère. Sors de la malédiction. Au nom de Jésus, dis amen bien. La veillée de ce vendredi, c'est pour toi. On vous attend, vous tous, au petit marché de Marcory ce vendredi. Venez et Jésus va vous délivrer. Dis amen bien. Amen.
tu es béni et tu es libre. 08 01 65 07 ou le 05 64 78 32. Tu es fatigué de chercher travail. Tu es fatigué de tourner en rond. Ce programme est pour toi. Oui, allô? Allô? Oui, soyez bénis. Votre nom et puis votre commune. Tu arriveras à Nono. Quel est ton sujet de prière? Ayamasakarabantacha. Il y a une veillée de prière à Makori. Le 1er novembre, on dit c'est fête des morts. Nous, on va transformer ça en fête des vies, de la vie. La façon, ça ne va pas pour toi. Seigneur, le message est pour toi. La sorcellerie a tout gâté, tous les domaines de ta vie. Mais je vais te libérer ce soir. Celui qui dit Amen, dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Le ciel commence à s'ouvrir au-dessus de toi et une robe de mariage va descendre sur toi. Je proclame la paix de Dieu dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, je t'enlève où les sorciers t'ont mis et je te mets là où Dieu voulait te voir. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Amen. Cette veillée du vendredi, c'est pour toi. Sois béni. Tu vas raconter les merveilles de Dieu. Ta vie change. Oui, le téléphone est ouvert au 08. 01 65 07. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Votre nom et puis votre commune? Bonsoir, bonsoir. Votre nom et puis votre commune? Oui, je m'appelle Franck, je suis dans la commune de Gonzague, à Gonzagueville. Quelle est votre préoccupation? Tu ne peux pas te retrouver si ta main est percée. Le Seigneur m'a dit, quand tu as prêché, ils vont se retrouver dedans. Ce n'est pas normal. La Bible dit, Abraham partait en s'enrichissant. Son argent augmentait. Toi, pour toi, c'est bloqué. Et de temps en temps, ça redescend. Tu luttes, ça revient. Non, ta main est percée. Ce vendredi-là, c'est ta veillée de prière. Trop, c'est trop. Dieu t'a pas créé pour accompagner les autres. C'est pourquoi je brise cette malédiction dans ta vie, femme. Et je te libère. Au nom de Jésus, j'entends dans ma tête réussite. Tu vas réussir à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Amen, amen. La grâce de Dieu avec toi. Ce vendredi, je vous attends, vous tous, au petit marché de Makori, terrain Vatican. Soyez bénis. C'est de 21h à l'aube. C'est veillé de prière. De 21h à l'aube. La nuit de la guerre. Trop, c'est trop. Déplace-toi et viens te battre. Plus 225 0801 6507. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Votre nom et votre commune? Bonsoir, oui, bonsoir. Votre nom et votre commune? Ouattara Amadou, tu as pas oublié. Quelle est ta préoccupation? C'est pas possible. C'est que tu dis, c'est vrai? Oui. Aïe, 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 aïe. Tu as fait quoi aux gens? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. La veille du vendredi est pour toi. Je suis l'orateur principal au petit marché de Makori, à côté du 9e. La veille commence à 21h jusqu'à l'aube. On va prier pour vous. Monsieur Ouattara, j'enlève les banques qui sont sur toi. Cette poisse de maraboutage qu'on t'a fait, je la brise et je te libère. Sors des problèmes. Sois de malédiction. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Je t'annonce que tu es libéré. Et cette veillée est pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni. N'oublie pas la veille du vendredi. Le téléphone est ouvert. 0801 6507. 0801 6507. 05 64 78 32. Israël a souffert pendant 430 ans, mais il est sorti un seul jour de sa souffrance. Tu ne peux pas croire, mais Jésus peut te libérer en un seul jour. Jésus peut te libérer en un seul jour. Oui, allô? Oui, allô, soyez bénis. Quand j'entends ta voix, je sens la tristesse de mort. Comment vas-tu? Ta commune et ton nom? Ah, massacre, comment vas-tu? Ça va un peu, papa.
bonsoir. Oui, ma fille. Oui. Ton sujet. Mon sujet, là, papa, c'est sur l'argent. L'argent. Tu as eu un magasin, mais tu n'as pas l'argent pour terminer. Pour mettre les affaires dedans. Bon, toi-même, tu es déjà ma fille. Donc, la veille, là, mais si tu as raté, tu es foutu, es Dieu. Je vais proclamer la grâce de Dieu, le déblocage financier dans ta vie, l'ouverture de tes finances et de tes affaires. Au nom de Jésus, dis amen bien. Amen. La main du Seigneur est sur toi. Je vais vous inviter, vous tous, à la veille de ce vendredi. La pluie qui est en train de tomber est un signe que Jésus est en train de se manifester. C'est fini. Tous tes problèmes sont finis. Dis amen bien. Amen. Sois béni. +225 08 01. Peut-être tu ne crois pas. Oh, j'ai parlé à beaucoup d'hommes de Dieu. Et depuis là, ma situation. Non. Aujourd'hui, c'est le paracommando de Jésus qui est là. C'est l'apôtre des nations. Jésus a chassé la pauvreté. Il y a vu des pièces me fuir. Allô. Oui, allô, soyez bénis. Oui, votre nom et puis votre commune. Votre nom et votre commune. Kagou Moïse, de quelle commune? Héloïse, de quelle commune? À Bobo-Doumé. Et quel est votre sujet de prière? Éloignez-vous de ma poste récepteur. Éloignez-vous un peu de ma poste récepteur. Ok, je vous écoute. Tu dis, tu ne vois, tu ne comprends rien. Tu sais pourquoi il rit? Je ne me moque pas de toi. Hein? Mais c'est parce que c'est mon message là. Le message est donné là. C'est parce que tu es dedans. La sortie, je te vois, tu es assise. Les gens t'ont entouré, tu es dans le noir. Tu as mis ta main en bas de ton menton, comme quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il va dire, quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il va faire. Et autour de toi est noir. Tout est bloqué, tout est fermé. La veille de ce vendredi-là, si tu as raté, c'est que toi-même tu as souffert. Je te libère à partir d'aujourd'hui. Je brise les malédictions. Au nom de Jésus, sors et rentre dans ta gloire. Dis amen bien. Ce vendredi là, lui qui a raté là, c'est que lui-même il aime souffrir. Il s'amuse à sa vie. Au petit marché de Macori, terrain Vatican, de 21h à l'aube. C'est moi-même qui suis l'orateur principal. Jésus est là, l'Esprit Saint est là. Nous sommes là pour enlever les bandes qui sont sur vous. Nous sommes là pour toucher vos mains qui sont percées. Nous sommes là pour enlever les cordes et les chaînes à votre cou. Après cela, tu vas rentrer dans ta gloire. Dis amen bien. 08 01 65 07 08 01 65 07 08 01 65 07 ou le 05 64 78 32. Frère, tu as dormi depuis longtemps, tu es arrivé où? Tu as dormi, tu dors vite là, mais tu es arrivé où? C'est le temps de s'énerver. C'est le temps de recevoir sa gloire. C'est le temps de prier. C'est le temps de rechercher la grâce. Jésus peut te libérer en un jour. Jésus peut te libérer en une prière. Jésus peut te libérer en une seconde. La même manière qu'ils t'ont mis dans Canary dans une semaine. Jésus peut te libérer en une seconde. Oui, allô? Je prie pour toi. La main du Seigneur est sur toi. Sois béni. Tu as essayé de me joindre, mais tu n'as pas pu. Sois béni et rendez-vous au petit marché de Macori, à côté du 9e, sur le terrain, le grand terrain Vatican. On va recouvrir ce terrain de bâche et nous serons à l'abri. Voilà. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, soyez béni. Votre nom et votre commune. Philippe. Philippe. De quoi? Petit Bassam. Oui, quel est ton sujet de prière, Philippe? C'est la Massacaba. Comment? Blocage. Tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas. La veillée de ce vendredi est pour toi, Philippe. La veillée de vendredi est pour tous ceux de ta famille. La veillée du vendredi est pour vous tous. Israël a souffert pendant 430 ans. Mais la nuit, la seule, Dieu les a fait sortir. Je prie
qu'à partir de ce soir, les bandes qui sont sur toi soient enlevées. Au nom de Jésus, je brise la malédiction qui est sur ta vie, Philippe. Sors de la malédiction. Au nom de Jésus, dis amen bien. Amen. Cette veillée est pour vous tous. Sois béni et sois guéri de ta situation. Au nom de Jésus. Amen. Ce vendredi, toute la famille à la prière. Amen. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour briser la malédiction. La sorcellerie et ses œuvres ne peuvent rien contre toi. Jésus est venu pour te libérer. Appelle. En une nuit, il peut te libérer. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Votre nom et votre commune? Mighty God. Et quel est votre sujet de prière? Bon, en tout cas, il y a le temps de vie dans un jour, bon, on a mis le contrat dans le contrat pour atteindre les états là. Bon, je veux que je sois. Tu veux qu'on renouvelle le contrat? Oui, en tant d'affaires contrat, on a signé un contrat avec l'usine là. Donc, en tant qu'on était déjà pardon, on a mis le contrat dans le contrat pour atteindre. Et qu'est-ce que tu... Le contrat est à terme. Le contrat est à terme. Et qu'est-ce que tu aimerais? Tu veux quoi? Bon, moi, j'ai un Il veut que le... Tu veux qu'on relance encore le contrat? Oui. Ok. Mets ta main sur ton cœur. À partir d'aujourd'hui, ne sois pas troublé. Que le Seigneur, le Dieu qui m'a envoyé ici sur cette radio... te démontre qu'il est Dieu et que moi je suis son serviteur. Qu'à partir d'aujourd'hui, la main qui devait signer pour dire c'est fini, cette main la signe pour dire que le contrat continue à durée indéterminée. Au nom de Jésus, dis amen bien. Amen. La grâce de Dieu avec toi, tu es un homme de bien. Et si tu n'as pas voiture, il faut te préparer parce que quand tu es crié, il y avait une voiture devant toi, une voiture pour toi-même, quand j'ai crié. Amen. Que Dieu te protège, sois béni. Le vendredi, à veiller au petit marché de Makori. Je t'attends là-bas. Sois béni. Amen. Envoyez vos SMS au plus 225 08 01 65. Je vois quelqu'un qui dort au fond d'une prison. C'est-à-dire la personne a son âme est enchaînée. La personne est là dans la ville, mais la personne ne sait pas que son âme est enchaînée. Je vois quelqu'un qui est dans une prison. Tu souffres. Tu souffres. Tu as besoin de l'argent pour payer un médicament. Tu as besoin de l'argent pour te soigner. Ton âme est enchaînée. Fais tout pour appeler. Ou bien envoie le numéro. Envoie ton sujet de prière au 0801. Ton âme est enchaînée. Tu ne peux rien faire. Tu es malade. Tu as besoin de l'argent pour te soigner. Tu n'as rien pour te soigner. Si tu ne peux pas aussi, trouve-nous le vendredi au petit marché. Ce vendredi, soyez bénis. Oui, allô? Allô? Oui? C'est qui? Et six clair. Et oui, tu as de quelle commune? Papa Cocody. Tu as Cocody. Oui, je t'écoute, ma fille. Quel est ton sujet de prière? Ma prière pour papa, elle est là, qu'est-ce que tu me vois toi ici, papa? Il y a quelqu'un qui fait quoi? Tu me vois, la papa ne me voit plus la danger. Oh ma sakaraba. Mets ta main droite. Oui. Mets ta main droite sur ton cœur. Ou bien c'est pas encore fini. Il y a quoi encore? Oui, papa, c'est pas encore fini. Et bien, je me lâche. Le point où je suis là, ça ne me plaît pas. Et bien, je me lâche. Ok. Le vendredi au petit marché de Makori. Et t'attends. Veille de prière. À partir d'aujourd'hui, je prie comme pour ma fille en Tarès. On a volé en Tarès. Elle a perdu son travail. Un voleur a tout volé. Il a prié. Actuellement, si tu vas sur Internet, sur ma page, tu as la voix. Elle a rendu témoignage. Le voleur a tout ramené, sauf son argent. Mais il a tout ramené et on l'a ramené au travail. Je proclame que ce voleur-là soit attrapé au nom de Jésus. Et je proclame que tu as l'argent dans la semaine à venir pour déménager. Au nom de Jésus, Dieu dit... Faut répondre trois fois amen et c'est fait. Amen, amen, amen. La grâce de Dieu t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Le malheur sort par la fenêtre, la bénédiction arrive. Ce vendredi, amen. La veillée à Makori, au petit marché, amen. C'est pour toi. Sois béni. Amen. Plus 225 0801. Un seul
seul appel peut changer ta vie. Un seul appel peut changer ta destinée. Un seul appel peut changer ta situation. Jésus est capable de te délivrer à travers son serviteur inutile que je suis. Jésus est capable de te libérer à travers son serviteur que je suis. Un seul appel. Peut-être tu dis, il y a tellement appelé des hommes de Dieu. Je suis fatigué. Je suis découragé. Si tu ne peux pas appeler, amène au moins des SMS. Tu ne peux pas amener un SMS. Viens le vendredi à la veillée. Petit marché de Macori, terrain Vatican. Petit marché de Macori, terrain Vatican, ce vendredi de 21h à l'aube. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Merci de nous rejoindre. Votre nom et votre commune. Oui, allô, allô? Oui, allô, votre nom et votre commune. Votre nom et votre commune. Ok, il y a un petit souci à votre niveau. Je crois que le vendredi, vous pouvez amener vos sujets de prière, mais le vendredi, trouvez-moi là-bas. Je vais enlever les bandes sur votre cou. Je vais enlever les chaînes sur vos mains. Au nom de Jésus. La façon on a délié l'anneau, on va vous délier. La façon Jésus a enlevé les bandes. Nous, les disciples, ont enlevé les bandes sur Lazare qui est mort. On va enlever les bandes. La Bible dit, dans le passage qu'on a pris, la sorcellerie ne peut rien contre les enfants de Dieu. Appelez au 08 01 65 07 08 01 65 07. Je répète, appelez au 08 01 65 07. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas travail, il n'y a pas santé, il n'y a pas la paix du cœur, il n'y a pas succès, il n'y a pas réussite. Ton chéri est parti, ta femme te trompe, ton foyer est mélangé, il n'y a pas l'argent. Quand ça vient, ça ne reste pas dans ta main. Tout est mélangé. Ton argent en compte en banque est menacé. Tu ne fais que vider toujours ton argent. Appelle, on va prier pour toi. Oui, allô? Oui, allô? Oh, que la main du Seigneur soit sur toi. Retrouve-nous au petit marché de Macori, sur le terrain Vatican, de 21h à l'aube. Le thème, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Nous allons prier pour toi. Envoyez vos SMS au 0801-6507. Mais appelez, le téléphone est ouvert. Le téléphone est ouvert. Le téléphone est ouvert. Peut-être tu as couché, tu dis, il n'y a pas une unité pour appeler l'homme de Dieu. Mais retrouve l'homme de Dieu ce vendredi 1er novembre de 21h à l'aube au petit marché de Macori. On va vous détacher par la puissance du Saint-Esprit au nom tout puissant de Jésus. Oui, allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, votre nom et votre commune. Oui, vous appelez de quelle commune? Je m'appelle de Jacquesville. Vous appelez de Jacquesville. Et quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, ça veut dire que vraiment, les gens ne me parlent pas avec ma femme. Donc, oui, on participe à la fonctionnalité pour vous appeler une demande. Ok, mets ta main droite sur ta tête. Et si tu peux ce vendredi là, descends sur Macori. Parce que c'est veillé, ça a fini à l'aube. Tu pourras repartir à Jacquesville le matin. Si vraiment ton problème te fatigue, tu ne vas pas rester à la maison. Je proclame que tu reçoives la paix du cœur. Je proclame que ce qui s'est levé en toi et ta femme soit rabaissé. Je proclame que la main du Seigneur enlève les bandes sur vous deux. Je proclame que la paix revienne et que la gloire de Dieu soit dans votre sujet. Au nom de Jésus, dis amen. Bien. Amen. Non, ton amen ne me convient pas. C'est un amen triste. Amen. Non, ça c'est quel amen ça? On dit amen fort. Dis amen fort. Amen. Voilà, c'est maintenant ensemble. Amen. Que l'amen du Seigneur te bénisse. Dis amen bien. Amen. Ce vendredi, celui qui a raté ça, c'est que lui-même il aime souffrir. Amen. Lui-même il aime être pauvre. Lui-même il aime célibataire. Venez, on va prier. Doudou Elisabeth a perdu 6 millions. Elle a eu 6 millions encore. Elle m'a donné 300 000. Les petites filles ont été délivrées. On va maudire les œuvres des sorciers. La main du Seigneur est sur vous. Soyez bénis. Appelez au 08 01 65 07. 08 01 65 07. Oui, allô? Oui.
Oui, allô, votre nom et puis votre commune. Appelez sur le 05. Votre nom et votre commune. Appelez sur le 05. Vous appelez de Yopougon. Ok, quelle est votre préoccupation? J'ai ma fille qui ne supporte pas bien. Oui. Je ne sais pas de quoi. Vous n'êtes pas allé à l'hôpital? On est à l'hôpital. Elle est à côté de vous. Elle n'est pas, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Dominique. Elle s'appelle Dominique. Oui. Elle a quel âge? Elle a 26 ans. Elle a 26 ans. Dominique, depuis la radio, je tends ma main dans l'air et je pose ma main sur toi. Dominique, je proclame que ton papa ne se soucie plus parce que la maladie te quitte au nom de Jésus. Quel que soit le sort, l'envoûtement, je brise cette malédiction. Sors de Dominique. Dominique, reçois la santé, reçois la vie, reçois la restauration par la puissance du Saint-Esprit au nom tout-puissant de Jésus. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien pour elle. La grâce de Dieu avec toi. Ce vendredi, viens à la veillée. La main du Seigneur sera sur vous encore. Sois béni. Amen. Plus 225. Nous acheminons à la fin de l'émission. Voilà. Donc, appelez. Ne vous laissez pas distraire. J'ai donné mon sujet de prière à plusieurs pasteurs. Ce n'est pas exaucé. Vous ne savez pas quand Dieu va vous délivrer. Oui, allô? Oui. Oui, soyez bénis. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Déborah. Déborah. Oui. Déborah, de quelle commune? Non, je suis à Trècheville. À Trècheville. Ok. Déborah, nous vous écoutons. Quel est votre sujet de prière? Non. Malade. Depuis un certain temps, tu es malade. Et à l'hôpital, on dit c'est quoi? Bon, ma. Ça dit, c'est de toi-même qu'il a parlé. Quand il a prêché, il a dit, dès que tu as l'argent, tant que ça ne finit pas, maladie est là. C'est comme si la maladie est là pour finir, petit que tu as gardé là. C'est là pour finir ton argent. Ce vendredi, Déborah, il y a veillé de prière au petit marché. Je ne te dis pas si tu peux venir. Si tu es fatigué de souffrir, faut me trouver ce vendredi au petit marché. Parce que Jésus peut te libérer en un jour. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, ta situation change, Déborah. Et que la main trouée qu'on t'a donnée là, je bouge ça au nom de Jésus. Reçois la grâce et la paix du cœur. Dis Amen bien. Ce vendredi là, c'est pour vous tous. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Nous acheminons vers la fin de l'émission. Nous allons prendre au moins 3 à 4 ou bien 3 appelants et nous allons arrêter. 3 appelants. Oui, en une minute, Dieu peut changer ta situation. Il ne touchait pas l'argent. L'argent ne venait pas dans ma main. L'argent ne restait pas dans ma main. Mais quand j'ai commencé à prier, j'ai vu l'argent me fuir. La poisse est partie. Et la première somme que j'ai touchée est 300 000. Jésus peut vous libérer. Oui, allô? Oui, vous vous nommez Mathias quoi? Abbé Apollinaire, vous appelez de quelle commune? J'appelle de la commune de Yopougon. Oui, que puis-je faire pour vous au nom de Jésus? Il y a quelqu'un qui doit depuis 3 ans. Il me doit 500 000. Il te doit combien? 500 000. 535 000. Et c'est vérifié devant tout le monde qu'il te doit vraiment. Il me doit. Est-ce que c'est vérifié que vraiment il y a des preuves qu'il te doit? Il me doit. Il a le problème. Ok. Je reçois dans mon cœur qu'il ne va pas te donner ou il ne veut pas te donner. Je reçois dans mon cœur qu'il va tout faire pour te tourner, pour ne pas te donner. Dans ce cas-là, la seule chose que tu peux faire, c'est de faire un vœu. Seigneur, si l'apôtre des nations est vraiment ton serviteur, si l'argent sort avant la fin de l'année, moi je paye ma dîme chez l'homme de Dieu et je soutiens le ministère avec une offrande. C'est la seule chose que tu peux faire. Sinon, dans mon cœur, je reçois qu'il a décidé de ne plus jamais te donner.
abandonné. Il va te tourner quand toi-même tu as abandonné. Et si tu vas à la police aussi, tu vas perdre. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est de faire un vœu. Seigneur, voilà ton serviteur, l'apôtre Bise. Les deux numéros qu'il a donné là, ce sont ses numéros. Si tu débloques ta situation, moi je soutiens son ministère et puis je paye la dîme. Tu es d'accord? Oui. Ok. Sur la base de ta parole, je lis son esprit. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jah. Comment? Il s'appelle Jah. Jah. Ok, Jah. Toi le concerné, je te trouble. Tu n'as plus de paix. Tu es mélangé. Tu es troublé jusqu'à ce que tu saches que c'est l'argent du monsieur là que tu dois donner. Et jusqu'à ce que tu l'appelles pour lui donner son argent. Au nom de Jésus, reçois le déblocage et le miracle. C'est fait. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Amen. Ce vendredi, la veillée pour vous tous. Au petit marché de Macquarie de 21h à l'aube. Le thème, c'est Jésus est venu détruire les œuvres de Satan. Sois béni. On va prendre deux personnes et puis on va donner les informations. 05 64 78 32. Israël a souffert pendant 430 ans, mais Israël est sorti de l'Égypte en un jour. Jésus peut te libérer. Jésus peut te libérer. 10 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. 10 jours de ta souffrance, un jour pour ta délivrance, pour ta guérison. Jésus est le même hier, il est le même aujourd'hui. Hier, tu as te lever de cette prison. Tu vas te lever. C'est moi qui te dis ça. Tu vas te lever. Tu vas t'en sortir. Oui. Allô. Oui, allô. Allô, maman. Ouais, c'est pasteur. C'est pasteur. C'est pas maman. Non, elle dit pas. C'est pasteur. Oui, vous vous appelez comment? Votre nom et votre commune. Mon nom, c'est Axel. Vous êtes à Yokougon. Votre nom, c'est quoi? Axel. Axel. Ok. Ouais, quel est votre sujet de prière? Je voulais prier pour toute ma famille. Prier pour elle et pour toute sa famille. De prier pour toi et toute ta famille. Prier tout le monde. Ok, quand tu parles là, ça se coupe ici, hein, c'est intercoupé. C'est-à-dire, tu parles, ça se coupe. Mais j'ai compris qu'on doit prier pour toi et puis pour toute ta famille. Ok, la veillée de ce vendredi, là, c'est pour toi aussi et puis toute ta famille à Macquarie, au petit marché de Macquarie, sur le terrain Vatican de 21h à l'aube. Mets ta main droite sur ta tête. Ok, en ma qualité d'apôtre, je vous enlève, toi et ta famille, du trou dans lequel la sorcellerie vous a mis. Ce trou d'échec, de blocage. De célibat. Je vais briser la malédiction. J'ouvre le ciel au-dessus de ta tête et de celle de ta famille. Au nom de Jésus, écoute, tu vas voir la gloire de Dieu, mais toi qui me parles là, tu vas voyager. Je répète, tu as ton passeport? Ok, j'entends voyage pour toi. Il n'y a pas de partir à Gagnon. Il n'y a pas de partir à Dalois. Il n'y a pas de prendre avion. Amen. Dieu va te surprendre. Mais le vendredi là, fais tout, tu vas venir ta famille à Macquarie. Je vous attends à la veille de prière. Sois béni ma fille. Amen. On va prendre un dernier appelant. Lève-toi. Si tu es malade, lève-toi, tu es guéri. Si tu ne peux pas faire un mouvement, fais le mouvement. Si tu n'arrives plus à manger, lève-toi et mange. Je proclame que tu es guéri. Vous tous vous êtes guéri. Si ton parent est en train d'être opéré, ça va bien se passer. Mort, libère les auditeurs. Maladie, sort de leur corps. Dis Amen bien, reçois ta grâce. La main de Dieu. Un dernier appelant. Et puis on va donner les informations. Un dernier appelant. 05 64 78 32 05 64 78 32. Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre nom et votre commune? Tu habites à Yopougon. Tu t'appelles comment? Simone. Ok, Simone, quelle est ta préoccupation? Tu es la dernière personne à qui on a ouvert le téléphone. Elle est partie. Simone, je t'attends ce vendredi à Macquarie. Oui, allô? Lui aussi, il est parti. Vous tous qui ne pouvez pas me joindre, amenez des sujets de prière au 08 01 65 07. 08 01
6507 ou au 05 64 78 32. Maintenant, si tu es trop fâché, trouve-moi au Vatican. C'est ta situation qui est neuve. Oui, allô? Oui, soyez béni. Pourquoi tu dis d'être, pourquoi tu dis d'être béni? C'est celui pour moi pour qui me paye. Non, votre nom d'abord et puis votre commune. Je m'appelle, je suis le frère Amarcori. Oui, et frère Amarcori. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi vous dites soyez béni, homme de Dieu? Là, c'est une façon de vous saluer. Ah, je pensais que le message t'avait tellement touché que tu avais dit ça. Donc, je vous écoute, pas préoccupation. Oui, les gens me donnent l'argent depuis 26. Aïe! Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des preuves qu'on te doit de l'argent depuis 26 ans? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des preuves qu'on te doit depuis 26 ans? Oui. Maintenant, on te doit combien? Ok, ce qu'on va faire, tu vas faire comme le premier là. Il y a des sommes là, quand tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu sais que si ça fait 26 ans, c'est parce qu'on ne veut pas te donner que ça fait 26 ans. Sinon, l'homme ne peut pas garder crédit qu'en 26 ans. C'est que moi, il te dit, il faut faire un vœu à l'Éternel. Si vraiment l'apôtre Biz est ton serviteur, fais sortir mon argent. Moi, je paye ma dîme chez lui et puis je soutiens son ministère. C'est la seule chose. Sinon, quelqu'un qui ne t'a pas donné 26 ans, c'est pas aujourd'hui qu'il va te donner. Il faut provoquer la main de Dieu. Seigneur, je jure. Je jure. Si tu fais sortir mon argent, je paie ma dîme chez l'homme de Dieu. Et je soutiens son ministère. Déjà, même, il faut te déplacer ce vendredi 1er novembre 2019 au Petit Marché. Je répète à tous les auditeurs, si vous aimez vraiment, si vous n'aimez pas vraiment votre situation, célibat, stérilité, problème, venez ce vendredi au Petit Marché. Toi, tu es de Marcori, hein? Toi-même, si tu ne viens pas, c'est que toi-même, tu veux que ton argent n'a qu'à se bloquer. Donc, ce vendredi, je prie pour toi d'abord, que la main du Seigneur soit sur toi. Tu es d'accord? Tu es d'accord que si Dieu ouvre les portes, tu payes ta dîme ici? Tu es d'accord? Oui, si, on me paye. Ok, je crois que tout est fait. À partir d'aujourd'hui, que la main de Dieu commence à ouvrir les portes. Par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus. Dis quatre fois Amen. 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 Tu es fait. Tu es béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, voilà. Donc vous pouvez me joindre en antenne. Lorsque on va raccrocher, vous pourrez m'appeler. Je vais continuer à prier pour vous. Maintenant, je vais dire à des gens, ne restez pas à la maison pour donner seulement vos sujets. Souvent, il faut que l'homme de Dieu vous touche. La fille là, qui était en France, elle est 6 millions, elle a tout perdu. Mais elle a commencé à suivre les prières. Elle a réussi 6 millions, elle m'a donné 300 000. C'est ta situation de célibat t'énerve. Je vais te trouver ce vendredi 1er novembre 2019 au Petit Marché pour la veille de prière. N'ayez pas peur pour la pluie, tout le terrain sera recouvert de bâches. Si la stérilité, le fait de ne pas pouvoir tomber enceinte, ou bien il y a blocage dans ton ventre, même les fibromes, les kystes, si vraiment ça t'énerve, je vais te voir ce vendredi là-bas. S'il y a problème de foyer, tu es au bord du divorce, tu n'arrives pas à rester quelqu'un, le foyer est mélangé, je vais te trouver ce vendredi là-bas, au Petit Marché de Marcori, vendredi 1er novembre. C'est-à-dire après demain au Petit Marché. S'il y a problème de loyer, tu n'as même pas l'argent pour payer ton dortoir, il va te trouver ce vendredi là-bas. S'il y a problème de scolarité, tous tes enfants, il n'y a pas là pour payer cahier pour les inscrire. Ou bien il y a certains qui vont, il y a d'autres que tu ne peux pas mettre. Je t'attends ce vendredi là. Pauvreté, échec, blocage, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu ne travailles pas. Ou bien quand tu travailles, ton salaire n'augmente pas. Je vais te trouver ce vendredi 1er novembre là-bas. Maladie et envoûtement mystique. La maladie se promène dans ton corps. On soigne, on soigne. On paye médicaments, on paye médicaments. Ça ne veut pas te quitter. Tout est mélangé. Je répète, tout est mélangé. Jésus est le seul qui peut guérir toutes les situations. Il dit tout est possible à celui qui croit. Les deux numéros sur lesquels la radio me permet de vous donner, ce sont mes numéros. Et je vais écrire aussi à certaines personnes au numéro 66. Quand vous allez voir mon SMS, le 66 au SMS, c'est moi l'apôtre des nations. Je vais écrire à tout le monde à partir de demain. Je vais répondre à vos prières. Donc quand vous voyez un 66, n'ayez pas peur. C'est encore l'un de mes numéros.
que je vais utiliser pour prier pour vous. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que le nom du Seigneur soit béni. N'oubliez pas un seul rendez-vous ce vendredi 1er novembre. J'ai dit bien 1er novembre, vendredi qui vient là, de 21h à l'aube, sur le terrain Vatican du Petit Marché. Ne vous trompez pas pour aller au Grand Marché. J'ai dit bien Petit Marché de Makori Sikoji, à côté de 9e arrondissement, la police. Nous serons là-bas par la grâce et pour la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prendre des gens hors antenne. Appelez 0801-6507-05-64-78-32. Nous sommes aussi sur l'antenne tous les mercredis de 12h30 à 14h. Soyez bénis, je vous aime. Gloire à Jésus par la puissance de l'Esprit. On dit Amen. 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 Vous avez donné votre 01 quand vous étiez en train de donner les mots. Internet. Ah, d'accord. J'ai dit que j'ai récupéré ma puce ah. Désormais, donc ça doit être les. Non, quand vous étiez en train de donner les. J'ai donné, il y a dit 01 aussi. Voilà, vous avez donné 01. Ah, donc c'est certain appelant. Voilà. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis, je vous aime. Gloire à Jésus. Je vais lui donner ça. Ok. Tiens. Là, vas-y. Que toute la gloire revienne à Jésus. Merci, Père. Amen.